Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Sparaka. Aujourd'hui, nous sommes dans l'univers multimédia et nous allons réparer un ordinateur portable. Nous allons remplacer une barrette de RAM. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sparaka si ce n'est pas déjà fait. Pour tout ce qui est questions, commentaires, c'est juste en bas de la vidéo. Allez, on attaque le démontage. Premier cas de figure, votre ordinateur est très lent. Lorsque vous ouvrez une application, ça va prendre beaucoup de temps à s'ouvrir, vous allez attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être rajouter une barrette de RAM supplémentaire. Un second cas de figure, ça peut être une barrette de RAM déjà défectueuse, donc vous allez devoir la changer. Avant le démontage, vérifiez bien que votre ordinateur est éteint et qu'il n'est pas branché sur secteur. Dans la plupart des ordinateurs portables, une barrette de RAM se situe en dessous. Donc pour pouvoir accéder à cette barrette de RAM, il va falloir qu'on enlève le capot inférieur. Donc nous allons commencer le démontage. Attention, certaines vis dans certains ordinateurs peuvent se cacher sous les patins anti-dérapants. Avant de commencer le travail sur mon ordinateur portable, je vais toucher une surface métallique histoire de décharger mon corps de quelconque charge électrique. Donc dans certains ordinateurs portables, vous allez avoir peut-être déjà deux barrettes de RAM disponibles. Dans ce cas-là, nous avons une barrette de RAM déjà installée et un deuxième port pour y accéder et poser une seconde barrette de RAM. Afin de décrocher la barrette de RAM, nous allons poser nos deux doigts de chaque côté et tirer à l'extérieur des ressorts. Hop ! Nous pouvons désormais enlever la barrette de RAM. Dans une barrette de RAM vont se stocker des données volatiles, c'est-à-dire des informations provisoires. Son avantage majeur est sa capacité de lecture très rapide par rapport au disque dur, et ce qui permet une utilisation fluide de votre ordinateur. Avant de changer votre barrette de RAM, assurez-vous que la compatibilité de la nouvelle barrette est en accord avec votre ordinateur. Attention, il y a plusieurs types de barrettes de RAM qui se différencient par le nombre de gigas. Et voilà, maintenant on peut remonter le capot. Et voilà, maintenant vous savez comment remplacer une barrette de RAM sur un ordinateur portable. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. À bientôt!